L'industrie nigériane du cinéma, plus connue sous le nom de Nollywood, a parcouru un long chemin depuis l'époque des vivres dans l'esclavage. Avec sa longue histoire, Nollywood est devenu une abondance d'héros et d'héroïnes vétérans qui ont tant travaillé pour faire de Nollywood un organisme de renommée internationale qui sera aussi bien accepté que Hollywood. Certains sont allés jusqu'à travailler jusqu'à les derniers jours en agissant et en faisant des dons pour améliorer les opérations de l'industrie. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de ce qui a causé la mort de plusieurs acteurs de Nollywood. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. 9 moins 1 moins 5 plus 2 multiplié par 0 est égal à combien? Repensez A, 0. Repensez B, 5. Et repensez C, 3. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Ashley Tidioke, cause du décès, complications hépatiques. Ashley est l'une des stars de Nollywood qui a beaucoup manqué dans les films. Il a dominé les scènes de cinéma pendant plus de 20 ans. Il a vu figurer dans plus de 150 films. Parmi ses films à succès, sont Juchet, Passion des esprits, Aristo et Amour aveugle. Il est décédé à l'hôpital militaire de Yaba, où il avait été diagnostiqué avec des problèmes de foie. Selon la famille, l'acteur était aux prises avec ses complications pendant une longue période avant sa mort. Il est finalement décédé le 21 avril 2011. Il laisse dans le deuil sa femme et sa fille. Sam Loco, cause du décès, asthme suspecté. Sam Loco est l'un des plus talentueux. Les acteurs de Nollywood se sont depuis de nombreuses années distingués comme un talent rare pour le théâtre et la télévision. Contrairement aux informations selon lesquelles il était sur place lorsqu'il est décédé, le Thespianier à Enugu était en train de monter un film qui n'avait pas encore été titré, produit par Favor Ogozi, originaire de Baliza State, à Ovechi dans l'état d'Imo. Bien que la cause de son décès ne soit généralement pas connue, aucune autopsie n'ayant été révélée à ce jour, elle est attribuée à une crise d'asthme. Des cartouches d'inhalateur à Ventolin ont été trouvées à côté de lui dans la chambre de l'hôtel où il s'était logé. Sam Loco, qui a joué dans plus de 200 films, était respecté pour sa singerie théâtrale et sa capacité à introduire l'humour même dans les situations les plus banales. Géraldine Ekeosha, cause du décès, cancer du foie. Alors que Nollywood était encore au matin, la mort de Sam Loco, la mort a de nouveau frappé. Et cette fois, c'est allé pour une femme en personne de Géraldine. Nollywood a été choqué le 4 septembre lorsque sa mort a été annoncée. On raconte qu'elle est morte d'un cancer du foie à l'hôpital universitaire de l'université du Nigeria, de Toku Ozala, Enuga, laissant cet enfant dont 6 filles et un garçon. David Yezi, cause du décès, intrigue. L'industrie du film du Nigérien a commencé l'année 2012 sur une note très triste car il semblait que l'esprit de la mort n'a pas encore été fait avec l'industrie. Le vétéran acteur David a été la victime cette fois alors qu'il passait chez lui à Enugu après une longue bataille contre l'arthrite. Le triste événement survenu le 19 janvier 2012 était le dernier de la liste des décès qui se produisait régulièrement dans l'industrie du film. Pete Aine, cause du décès, amputation de la jambe. Ce qui est triste à propos de la mort de Pete Aine, c'est que c'est le résultat de soins médicaux inappropriés. Le vétéran a été hospitalisé plusieurs mois avant sa mort à l'hôpital par l'âne d'Enugu. Sur les conseils des médecins, sa jambe devait être amputée pour empêcher la propagation de l'infection à d'autres parties de son corps et pour sauver sa vie. Mais ce dernier n'a jamais été le cas, car il est décédé un mois plus tard dans le même hôpital.
C'est ce qui a poussé la Guilde des acteurs du Nigeria à annoncer que le régime de santé des acteurs pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les soins médicaux. Pete Enner a été présenté dans plusieurs films à succès de Nollywood. Enebeli Elebua, cause du décès, accident vasculaire cérébral causé par le diabète. Enebeli était le suivant dans les morts qui se sont produits à Nollywood en peu de temps. Andrew, comme on l'appelait populairement, a finalement vérifié cette vie le mercredi 5 décembre 2012. Il a subi un grave accident vasculaire cérébral et a été envoyé en Inde pour y subir des traitements médicaux en juin 2012. Il n'a toutefois pas réussi à passer à travers et mourut à l'hôpital à l'âge de 65 ans. Justus et Siri. Cause du décès, diabète. En effet, Justus, âgé de 70 ans, est décédé à l'hôpital de Lagos le 19 février 2013 des suites d'un diabète. Il a pris de l'importance après son rôle dans la populaire série télévisée Village Headmaster et a beaucoup contribué à la croissance de Nollywood telle qu'elle est connue aujourd'hui. Amaka Igwe. Amaka Igwe était un écrivain, producteur, réalisateur, entrepreneur et enseignant accompli. Elle est devenue la vedette nationale en tant qu'écrivaine et productrice de feuilletons télévisés Premier Échec et Mat et ses ramifications fait dire Cross of Commotion. Jusqu'à sa mort, Amaka était l'un des réalisateurs remarquables de Nollywood et l'un des rares cinéastes contemporains à présenter des films sur celui de Lloyd. En 2011, le président Goodluck Jonathan lui a décerné l'ordre national en reconnaissance de sa contribution à Nollywood et au pays dans son ensemble. Clem Onyeka. Cause de la mort, balle perdue. Clem Onyeka a été tué par une balle perdue dans un coup de feu entre la police nigériane et des voleurs à main armée à Asaba dans l'état du Delta. Selon des sources, les voleurs auraient traîné une fourgonnette dans l'autoroute de Benin à Saba via Semit Road avant de l'attaquer à DBS Road par la fondation U&E. Mais ils ont été engagés par la police dans une fusillade au cours de laquelle Onyeka a été pris entre conduit à un lieu de film avec un collègue. Il est mouru alors que sa carrière commençait à porter ses fruits, laissant une mère, une femme et trois enfants. Mona Obiekwe, cause du décès, maladie rénale. La nouvelle de la mort de Mona était une bombe au stade de Nollywood et à tous les spectateurs nigériens pour certaines raisons. L'acteur de Nollywood, basé à Enugu, qui a joué dans de nombreux films, est décédé après une longue bataille contre une affection rénale qu'il a gardé secrète qu'il ne pouvait plus se permettre le traitement. Il était très secret à ce sujet. Natcha d'avoir regardé la vidéo, c'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bah, concernant la question, la réponse est 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.